Si vous mettez les caméras de ces côtés-là.
ceci m'est passé, nous sommes, je suis en tout cas, je pense que vous êtes comme moi, désemparés. C'est un peu comme si le sol s'était dérobé sur nos pieds. Car peut-être que le plus jeune ne savent pas qu'il y a de la nuit, et c'est pourquoi, le plus vieux, maintenant, le plus près de mon pasteur, je vais essayer de vous dire. Non pas seulement que je ne suis pas là à rien, que ce soit la fonction qui est fait l'organe, il y a des qualités plus basses que deux de très bons. Il est certain aussi qu'il a occupé des postes prestigieux qui l'ont façonné. Et il y avait une correspondance entre les dispositions personnelles et les responsabilités énormes qu'il a eues, qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Je vais vous dire un peu tout ce qu'a fait la nouvelle et j'essaierai de vous suggérer, si elle est possible, qui est. Monsieur la nouvelle est né le 25 mai 43 à Ambert, dans le Puy de Dôme, quatrième d'une famille de 50 ans. Il fait ses études de droit à l'université de Clermont. C'est important, un juriste de formation de base. À cause de la probité de son père, il a toujours signalé la traité exceptionnelle de sa mère, il est si entré au séminaire. Quel séminaire ? Première question, et ceci est très important pour la suite. Écoute, n'existe pas, puisque c'est lui qui va le faire, il y a autre chose à le faire. Il rentre au séminaire français d'Europe, tout un monde. Un monde de bien, un monde de mal. Un monde de bien parce que ce séminaire était connu. La fin du 19e siècle, pour donner une formation qui est plus catholique, plus antilibérale. Les grands hommes de ce séminaire sont la compagnie du père de Flore, et duquel sont sortis, je ne sais combien d'évêques, les frérots, l'entre les guerres. Et bien, les documents essentiels, c'était le Marcos que j'ai en fait, c'était le Sidamus mineur, c'était Libertas Crescentissimus, et c'est à cette école qu'il est formé le plus élève du séminaire français. Seulement voilà. La Dolanie est membre pendant la Révolution. Pendant la Révolution qui suit immédiatement le Concile, et à laquelle le Concile n'est pas étranger, vous le savez. C'est pendant le Concile que M. la Dolanie a fait ses études pendant 4 ans au séminaire français. Il a assisté, me le racontait, à la procession immense des 2600 évêques qui vont faire des interviews. Cloche de Rome, sonnant à tout voler. C'est impressionnant. Il gardera toute sa vie. C'est un mot de Rome, de cette majesté romaine. Et c'est normal. C'est normal. Si d'autres tentent à l'oublier, il n'y a aucune excuse à le faire. Mais ce séminaire n'avait pas échappé à la révolution, aux exils, aux années 68. Et même, vers plus tard, déjà que le Concile du Vatican II, c'est 1917, c'était la révolution. Je ne parle pas de la soutane qui avait passé, mais la théologie n'était plus celle qui était gagnée. Le séminaire français était dirigé par les spiritains. Et le spiritain était dirigé par l'enseignement à faire, juste en faisant. Mais c'est pour la même raison que Monseigneur Lefebvre, dans sa démission en 1938 de supérieur général des terres de l'esprit, et que la Dolanie a quitté ce séminaire, ni demandant plus la formation adéquate. C'est logique. Et voilà pourquoi, dès que la Dolanie décide de trouver mieux que le séminaire français pour gérer la révolution et la théologie moderniste, et bien il va se tourner naturellement vers Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre avait été le séminaire 68 des terres de Saint-Esprit et il avait eu un petit appartement à Rome, il l'a raconté plusieurs fois, où il allait de l'histoire purement assisté au salut de Saint-Esprit. Sa vie était. Apparemment, ça veut dire que ce
professeur au séminaire des Grands, et surtout, surtout, quand Mgr Leveur fonde le district de France, c'est lui qui choisit la colonie pour être en tête. Il réussit 8 ans. Les prêtres de la fraternité qui m'écoutent doivent le savoir, ils ont tout ça, des enfants, que parmi tous les 50, 60 maisons, les deux tiers de laquelle on va maintenant, fondés par la même colonie. C'est lui qui conseille Mgr Leveur dans les moments les plus difficiles, les vieux. S'il était difficile pour un grand contraint comme Mgr Leveur d'avoir des ennuis avec Rome, la veille des organisations de 76, qui vont faire suspendre l'église contre la définition de Mgr Leveur, Mgr Leveur ne sait pas ce qu'il va faire. Et c'est lui qui rentre dans le bureau de la colonie pour lui demander ce qu'il va faire. Dauphin
Pourquoi ce
calme du Christ et lui montre cette fidélité à l'amour du Christ. Et c'est un amour répandu. Celui qui prétend des saint Jean et les yeux qui ne voient pas et qui n'aime pas son prochain et qui voit son cible, hein, en fait, ça c'est tout à fait vrai.
Oh, no.
Thank you.
Mm-hmm.